La rédaction de New Sénégal avait annoncé l'accident survenu à Colonna près de Chartol a occasionné deux morts parmi les agents de l'entreprise Dolima. Les victimes ont été identifiées. Il s'agit d'une jeune dame répondant au nom de Fatimata Fall et d'un jeune homme âgé de 25 ans du nom d'Ibrahima Kandira. Fatimata Fall, décédée sur le coup, était étudiante à l'école supérieure polytechnique ESP de Dakar. Elle venait tout juste de terminer son cursus. Elle venait juste de commencer une collaboration avec l'entreprise Dolima selon nos sources. D'après une source autorisée, plusieurs blessés sont dans un état critique et sont en train d'être évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. Ils étaient tous pris en charge à l'hôpital de Richard Toll et au centre de santé de la même zone. La rédaction de New Sénégal présente ses condoléances aux familles éplorées.